Et 73-51, toi, Ludovic. Hey, 73 à toi, Rémi. Eh bien, dis donc, ça sert à vous, hein. Ah, pas tant que ça, pas tant que ça. Bah, je t'ai entendu un peu cet après-midi, mais je crois que c'est un moment qui ne m'a pas entendu, en vrai. Mais effectivement, pas tant que ça, oui. Bon, j'espère que ça va bien. Attends, deux secondes. Attends, excuse, que tu me dis? Je dis, je t'ai entendu cet après-midi. J'écoutais un petit peu le SDR, là, en finissant de ma journée de travail. Ok, eh bien oui, parce que j'étais là sur avec les copains là sur le 530. D'ailleurs, une cacophonie hallucinante là au niveau propagne. Hein. On était surmodulé, on était en QSO local, pourtant, mais on était surmodulé de tous les côtés. Hein. Ah ouais, voilà, bah écoute, c'est bien, hein, c'est mieux que le silence auquel on a été habitué tout l'hiver, donc c'est plutôt cool, hein, voilà, voilà. Bon, bah, c'est bien, c'est bien. C'est reparti, s'il y a des pressions derrière qui veulent entendre le QSO, allez-y, on laisse un blanc, puis sinon, bah, Eric, on prend. 73 Lilo, Eric, 14 Victor Eco 27, l'opérateur Eric, 14 ODR 027, signal. Je te salue, 73 à toi. Ouais, salut Eric, bon, 73-51 à toi aussi, hein, voilà. ça va, j'espère que tu vas bien aussi. Pareil, je crois que je t'ai entendu aussi tout à l'heure en fin d'après-midi. Quand j'étais au boulot, j'écoutais un petit peu le SDR. Donc, voilà, je faisais un petit peu le. Donc, qui t'écoute, les grandes oreilles, comme on dit. Retour à toi. Ok, j'espère que t'as passé une bonne semaine, il n'y a pas de problème. Et la station, normalement, ce soir, qui va peut-être venir, là, c'est Jean, qui est sur Mérignac, voilà, qui a arrêté de moduler depuis un an et demi, qui a repris, là. Et qui va devrait te poser quelques petites questions parce qu'il voudrait monter le ce que tu as fait toi, tu sais, pareil, le WebSDR, voilà, donc il voulait des petits renseignements complémentaires, donc je pense qu'il va faire un petit tour tout à l'heure, voilà. Voilà, mais je ne sais pas avec qui tu es. VHF ou VHF. Ok, ben je savais que avec plaisir, voilà, ouais, petit complément d'info, c'est pour en VHF ou UHF ou les deux. C'est pas pour les 27 mégas, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein. Ah ok, bah ça marche pareil, hein. Après c'est juste que moi j'ai foutu un filtre 30 mégas, mais ça doit pas en bricoler des filtres pour cette bande-là, donc voilà. Attends, excuse, j'étais en train d'attraper mon cappuccino. Ouais, ah ben là c'est clair que s'il met un filtre passe-bas dessus, la VHF elle va être beaucoup plus. Elle va être sacrément filtrée pour le coup, hein, chez trois coups. Ça va être très calme, il n'aura pas de problème de QRM. Effectivement, bon, j'envoie les 73-51 à la quinzaine de stations qui sont à l'écoute du SDR et. Veuillez m'excuser, mais vous n'entendrez que moi ce soir sur le SDR, parce que je dois de mon antenne pour moduler, voilà, pour le QSO. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux mettre une deuxième antenne alors, ou tu vas faire pour lui ça? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un câble, et que oui, je vais mettre une deuxième antenne. Ouais, donc ben, je pense que si tu es toujours d'accord, je pourrais te mettre à contribution. C'est juste que là, j'ai besoin d'une centaine de, enfin, une cinquantaine de mètres de câble coaxial. Voilà, et c'est ça le problème, parce que ça coûte cher. J'ai regardé des câbles 50 ohms, ça coûte pour une centaine d'euros, grosso modo, pour les 50 mètres. À peu près, ouais, c'est à peu près ça, une centaine d'euros. Donc j'ai trouvé des sites où c'est plus ou moins cher, enfin grosso modo c'est une centaine d'euros. Et après, sinon j'ai regardé chez Leroy Merlin, tu peux avoir des bobines de 100 mètres de câble triple blindage pour les antennes satellites. Mais lui par contre c'est du 75 ohms. Donc je suis un peu moins chaud, je me dis que c'est un peu moins adapté.
pied, donc même si pour de la réception, ça va peut-être pas trop gêner. Donc ouais, pour ça, je suis partagé sur ce truc-là, mais sinon, ouais, je vais passer un câble d'antenne du fond du jardin jusqu'à l'intérieur du QRA, là où est le MDR actuellement. J'aurai pas le temps de m'en occuper là, dans les 5 qui viennent, il faudra attendre un peu plus. Mais par contre, c'est ça l'hypothèse que j'ai retenu. Ok, mais écoute, de toute façon, l'antenne est là, il n'y a pas de souci, hein, c'est tant que tu veux. Eh bien super, ce sera l'occasion de boire un coup ensemble, voilà. ouais, ok, voilà. Bon Rémi, ça va depuis tout à l'heure, mais malgré que là, j'ai du mal, je te copie, mais tout petit ce soir. Ok, bon pourtant là je suis... ouais ben ça c'est au niveau QRM, Propag, un truc comme ça là. Là c'était... Enfin c'est vrai que cet après-midi c'était hallucinant. Hein. T'as vu Eric, là c'était difficile de se copier les uns les autres. Moi dans le push c'est vrai que il y a pratiquement que... Enfin toi, les stations du côté de Saint-Médard par là que j'arrivais à attraper. Après le reste c'était de la surmodule complète. Hein. Tiens, puisqu'on est en train de parler là, du web SDR, petite question Ludovic, quels sont les projets, si tu veux bien en parler, du chat justement du web, pour le web SDR? Ouais, voilà, c'était histoire de donner de petites news, sans plus que, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'impatientent, il y a des questions qui sont posées dans ce sens, c'était pour qu'ils puissent justement là, voir un petit peu ce qu'il en est, quoi. Je pense que je prendrai la bobine à 30 balles de 75 euros, ça ne me dérange pas. Et par contre, si c'est
la bobine à 100 balles, je vais réfléchir un petit peu plus. Hein. Voilà, je suis retour à toi, Rémi. Ouais, ouais, ok, d'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, rien de plus. Rien de plus. Bon, là, t'as donné des news, justement, là, pour ceux, justement, qui posaient des questions, de ça, là, qui se demandaient, enfin, qui aimeraient bien pouvoir écouter le QSO. Ah oui, tiens, aussi, si, cet après-midi, là, quand on était en QSO, justement, là, pour ta clé SDR, apparemment, il faudra que tu la blindes, que tu la protèges, pour pas qu'elle grille, vu que ta station est quand même à côté, quoi. Donc, je veux dire que quand tu passes en émission, il faudrait pas que ça te grille la clé SDR. Ok, d'ailleurs, j'en reparlerai sur un prochain passage. Là, il y a un break qui s'est manifesté. En avant, le break. Comment vas-tu? J'espère que tout va bien. Eh bien écoute, je vais très bien, tout va bien, ça va, dans le meilleur des mondes. Bon, mais tant mieux. Et ça fait plaisir d'entendre une voix féminine, je te le dis. Parce que c'est rare. C'est que nous sommes des perles rares, donc. Ok, les 73, la station en fréquence, plus les 17 OM qui sont là en stand-by là, sur le web SDR de la part de 14 DR33, d'Andy 33. Et retour du micro sur Claudie que j'ai entendu se signaler derrière. Oui, bonne 73 Rémi, les bonnes 73 Eric, les bonnes 73 à tous ceux qui sont en fréquence. 14 EDR 06, l'opérateur Claudie. Ça va, tranquille, un petit peu dépaysé, on va dire, à 6 fois. Ouais, vas-y Claudie, pour voir ce que ça donne sur le web SDR. Ok, ça, tu passes bien dessus. Un petit peu grave au sens de enfin dans le sens que tu veux. Ok, donc c'est comment? Oh, y a. Là on t'a marché sur ce que t'as encore. Attends, remonte un petit peu. Écoute, je vais vous faire ce que je veux, ça marche pas.
chauffer à mon vieux tank. Et quand tu parles de vieille machine, tu parles de Claudie, je suppose. Bon, en tout cas, hey, t'as vu un peu cette propague là qu'on a depuis une semaine? Putain, c'est bravo. Et puis là, c'est vrai qu'aujourd'hui, dès ce matin, là, ça a bien démarré là au quart de tour. Et c'est resté comme ça là, toute la journée, puisqu'on a même entendu la Belgique et tout ça là, là ici sur le sud-ouest. Ouais, ben oui, je sais, parce que je t'écoutais, moi, sur le web SDR. La station QRA était éteinte, mais je t'écoutais sur le web SDR. Ouais, après, la Belgique n'est jamais très loin, hein, facile. Pour ce soir, tu m'étonnes. Ouais, d'accord, et puis, bon, effectivement, je vois, il est vraiment pas là ce soir. Ça très bien, quoi. Ok, et bien tiens, j'en profite pour rappeler que le samedi 29 juillet, il y a le salon de Marennes. Bon, cette année, si l'année dernière il s'est déroulé à Port des Braques, des Barques, cette année il sera à nouveau à Marennes. Donc, eh bien, nous on y sera aussi, voilà, comme les années précédentes. Normalement, on devrait être au même endroit, là devant l'estrade, en principe. Et pour l'adresse, eh bien c'est juste à côté là, du Intermarché. Voilà, donc à côté du Intermarché de Marennes, le 29 juillet prochain. Voilà, là, donc, je ne vois pas d'autres annonces à passer. Pour des braques, tu fais braquer, mon pote. Oui, un peu, je crois. Ouais, vas-y, t'as fait changer la couleur de mon poste. Il est devenu rose, là, sur le coup. Tu m'étonnes, on va se prendre une tornade, là, sur la tronche. Oh, oh. Il y a encore des voix des gens.
Non, je suis pas du tout au courant. Vas-y, raconte. Ah, mais ils ont eu des inondations. Leur cordeau, là, c'est le cordeau, c'est le fleuve, je sais pas ce qui passe. Qui a débordé tout ça, il y a des maisons qui ont été emportées, tout ça. Je lui ai envoyé un petit message, il m'a répondu. Mais c'est passé en direct. Il y avait en direct une vidéo là, sur le site des étalants. D'un hélico qui survolait le secteur, justement, la zone sinistrée, il parlait de Gatineau et tout ça, quoi. Voilà, voilà, donc j'ai pas eu d'autre suite, mais je lui ai envoyé un petit message de réconfort. Ah bon? Ah non, je suis pas au courant de ça, j'ai rien vu, hein. Ben, pourtant j'y vais que, pratiquement tous les jours dessus, j'ai rien vu. Ben, écoute, tu regarderas sur le site Facebook, il y a mon message, hein, tu regardes sur le message à Gilles là, sur son truc là, sur les talents, et tu vas le voir, hein. Ah ben merde. Non, je suis pas du tout au courant, je n'ai pas entendu parler. Ok, merci pour l'info, j'irai voir ça. Ah bah tu m'étonnes, je l'aurais vu, c'est sûr que j'en aurais fait autant. Hein. Voilà, bon, je vais sur ce par là, dernière fois, où est Christophe, le petit routier, il y a plus personne. Ouais, si, je suis là. Oui. Ah, tu m'as entendu? Ah, t'es mieux calé. Canard qui a parlé? Tout à l'heure ça marchait bien, là maintenant ça marche plus, c'est quoi le délire? C'est ça, ça marche plus, hein. Tu fais vraiment le petit canard. Si tu savais à quel point. Ah bah là c'est fabuleux, hein. On t'entend nettement mieux. Ok, donc là c'est même plus un point, c'est 3 points de décalage. Ok, ça marche. Voilà, reste comme ça, t'es parfait. J'en étais sûr. Ouais, elle est rigolo. Hein. Et sans m'entendre quelqu'un, mais c'est complètement noyé dans les QRM là, c'est totalement inaudible là de mon côté. Hein. On vient d'entendre quelqu'un qui rentre dans le QSO à l'arrache. Est-ce que c'est QSL pour toi, Dandy? Ben oui, je vais bien, mais bon, vu le niveau de QRM que j'ai là, ça passe pas du tout. Là. Mais j'ai entendu quelqu'un gazouiller derrière, mais voilà, c'est un gazouillis, pas plus. Oui Ludovic, la bosse 13, justement tiens, je descends du grenier où il y a une propague de folie, ouais. Là j'ai fait pas mal j'ai fait plusieurs contacts là dans la foulée là en l'espace de 20 minutes, je compte pas les contacts que j'ai fait. C'est hallucinant aujourd'hui. Comment vas-tu Ludovic? Ouais, j'ai entendu la fin de ton QSO là sur 625, je crois, un truc comme ça, ouais. J'étais surpris en allumant le SDR ce matin, hein, quand j'ai vu toutes les traces de QSO qu'il y avait. Ça me faisait presque mal au cœur de débrancher l'antenne, mais bon, ben, je suis bien obligé de... Enfin, obligé, moi aussi, j'ai droit d'en profiter, quoi, voilà. Bon, allez, bonne 751, Rémi, j'espère que ça va.
Oui, enregistrer le break, ah ben tu m'étonnes, une propague comme ça, forcément, ça donne du bon au cœur. Hein. Il y a eu un break, j'ai cru reconnaître Eric, là. En avant. 73 dans quelle station, 14 Victor Eco 27, 14 ODR 027 signal, pour le piéton national, est-ce qu'il y aura du monde en fréquence? Alors c'est bien parti pour, et je pense qu'il y a des stations de d'autres départements qui vont peut-être venir tendre l'oreille, car j'en ai profité pour faire notre petite pub là pendant que j'étais en QSO là sur d'autres fréquences avec, et sur d'autres départements. Ok, salut à toi, salut Loïc, salut Rémi, salut tout le monde, ouais, voilà. Moi c'est pareil, j'ai fait 2-3 QSO, même 4, et j'ai fait la publicité, ils devraient peut-être venir nous retrouver, voilà, la frontière franco-belge et tout ça. Ça, une propagation de fou, voilà, retour Lio. Ok, merci, retour micro. J'espère que ça va. J'espère que vous avez passé un bon QSO aussi hier soir. Voilà, voilà. Moi j'ai avancé sur mes histoires d'antenne DSDR. Finalement, je voulais pas trop m'en occuper ce week-end, mais j'ai avancé un petit peu. Je vous en parlerai juste après. Voilà, voilà. Donc ça va bien, tranquille. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit parce que le petit est un peu malade. Donc, bon. Le petit malade, ça suffit pas la vie, c'est comme ça. Mais bon, on va s'en débrouiller. Voilà. Bon, on va laisser un petit blanc, voir s'il y a d'autres stations qui veulent rentrer dans le QSO national. Allez-y, on profite de la propague. Alors, s'il y a des stations du nord de la France, c'est cool, faut en profiter. Allez, allez, c'est parti, je laisse le blanc, puis bah, t'auras qu'à reprendre Eric après. Break. Bonjour les stations, opérateur Rudigui, le département de la Marne, le 51, votre écoute. Voilà, 73-51 à tous, alors il y a le département de la Marne, j'ai entendu un Fabrice aussi derrière je crois, et il y en a un troisième, voilà, donc on va y aller dans l'ordre. Déjà une bonne 73-51, voilà, du groupe du QSO du canal 27, je fais un retour sur Fabrice, à toi. Breako for Germany. Oui, enregistré, Germany. Ok, les bonnes 73, voilà, de la part de Rémi, QRZ local, Dandy 33, 14, Delta Romeo 33, 14 ODR 002, sur Sainte-Colombe, Est, Gironde. J'ai perdu, il y a Germany qui a breaké, il y a d'autres départements qui ont breaké aussi, vas-y Ludovic. Ok, ok, bon, on va faire tourner, il y avait le département de la Marne aussi qui s'est signalé, alors vas-y à toi la station. Ok, bah les bruits sont 23-51 avant toutes les stations, donc voilà, bah je me présente, hein, l'opérateur UTT, bah je n'ai pas d'indicatif, hein, j'attends de trouver un groupe, hein, pour avoir un indicatif, une corde, et puis faire partie d'un groupe, hein, quoi. Sinon, bah les bruits sont 23-51 à vous tous. Et bien tous à retourner, merci de faire un petit tour sur le QSO national, voilà. Donc des 14 Oscar Delta Romeo 860, voilà. Si ça te dit, le forum des ODR, des Oscar Delta Romeo, t'es ouvert, tu pourras y demander un indicatif si ça te fait envie. Voilà, voilà. Donc c'est cool, il y a du monde, il y a de la propagande, c'est chouette. ici, tu es... Enregistrer le break. 55, là, tu arrives à 55 à Bordeaux. Voilà, je passe le micro à Eric. Ok, Didier, 73-51, 14, Victor Eco 27, l'opérateur Eric, le sud de Bordeaux, voilà, ça passe très très bien, 56 de ton côté, Didier, voilà, impeccable, impeccable, voilà. Donc, je vais pas me faire plus long, et on va faire tourner, vas-y, Ludovic, envoie les prochaines stations. Bon, on va laisser le blanc, hein, je crois qu'il a coupé un break, là. Ok, bah allez-y, break. Essayez de pas y aller tous en même temps. Allez-y, laisse le blanc. Bon, plus personne n'ose prendre le micro. Ok, les 113-51, Didier, voilà, la Marne, de la part de 14, Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi, voilà, QTH Sainte-Colombe, à côté de Saint-Émilion. Ouais, une petite seconde, excuse-moi, l'imitation modulée, il y a un OM sur la ville de Troyes qui a parlé. Voilà, donc à toi la station. Ah, zut. C'est bien ça, lui-même en chien, on a ça. Voilà,
la station, c'est du... C'est du 55 aussi, si ça marche très bien, voilà, retour. Ça serait pas Sylvain ? Eh bien merci, ben, c'est dans des journées comme ça que le QSO national prend tout son sens, hein, voilà, quand il y a de la propague, ben, ça marche bien pour une station mobile, il hein, n'y ben, a pas de soucis, de toute façon quand la propague est là, voilà. Donc sur la ligne de 3, ok, ben, merci beaucoup, je passe le micro, ben, je fais tourner sur, sur Rémi, Rémi, est-ce que tu copies notre ami de 3 ? Ok, la ville de Troyes, ça serait pas Sylvain des fois qui serait en mobile? Les bonnes 73 à toi la station, si c'est pas Sylvain, de toute façon c'est pas grave, les 73 quand même. De la part de Rémi, 14 ODR 002, voilà QTH, les environs de Saint-Émilion en fixe. J'entends pas. Oui, la ville de Troyes, 73 égale TL, 14 Victor Eco 27. L'opérateur Eric, au sud de Bordeaux, bonjour. Vas-y, dis-le, papier. Ouais, je pense qu'on l'a perdu, j'ai entendu au loin. Oui, bonjour Eric et tout ça, puis après c'est descendu dans le fin fond et paf, plus rien. Donc je crois que ça, c'est en train de tourner un peu. Allez, bon, on va relaisser des blancs. S'il y a des stations qui veulent rentrer dans le QSO national, n'hésitez pas. Allez-y. Oui, il y a un break, là, très très QRP de mon côté, en avant. En avant, le break. Salut, Xavier. Eh, ce serait pas Claudie? Oui, enregistré. Oui, en avant la station. Oui, j'ai une station là qui m'est arrivée, Santiago Neuf. Département 54, si j'ai bien compris. Les bonnes 113-51, Xavier, et bonnes 113-51 aussi à la station du 54. Allez-y, c'est à vous. Oui, pour le 55. Enregistré, 55. Pour le réseau, la région 3. Ok, Jérôme, 100% QSL. Ici, c'est un signal de 3, une bonne radio de 5, il n'y a pas de souci. 53, voilà, à du Je passe le micro à Eric. Oui, 73-51, le département 54. Le 14, Victor Eco 27, l'opérateur Eric. C'est pareil pour moi, 53-54. J'ai entendu au loin que la station nous perdait. C'est bien ça, Jérôme, hein, c'est ça, tu ne nous entends plus trop? La fille est haute. Ouais, bon, enfin, c'est pas grave, ça aura permis au moins de faire quelques contacts, voilà. C'est sympa. Bon, s'il y a d'autres stations derrière la porte qui veulent rentrer en QSO, il n'y a pas de souci, on laisse un blanc. Le département 55, oui, en avant. Ah, je crois que j'ai entendu Xavier, les 73, Xavier. Ok, je crois qu'il y a Didier qui est en train de nous perdre, ou je ne sais plus, peut-être plutôt Fabrice. Je ne sais plus quel OM était là au début. Donc ok, les bonnes 113-51 à toi, il n'y a pas de souci, c'est le jeu de la propague. Hein, voilà. Il y avait le département 55 qui était derrière, d'après ce que j'ai entendu de Rémi, donc allez-y en avant. Oui, il y a eu une station anglophone ou je sais pas qui est passée aussi là. Ouais, j'ai pas su si c'était Sylvain ou pas à mon ville tout à l'heure. Ouais, la ville de Troyes, à mon avis c'était Sylvain, ouais, je crois, oui. Ça m'a fait tilt de suite.
J'entends quelqu'un parler très très QRP là derrière. Ouais, NOM, Santiago Zero de mon côté. Ouais, mais je sais pas si c'est l'Espagne ou le Portugal là, que j'entends là de ce côté-là. Possible, je sais pas trop. Hein. Tiens, et maintenant, tu l'entends? Oui, Espagne, 73-51, sud-ouest France. Oui, alors que là, il y a, tout à l'heure, il y a quoi? Il y a une heure et quart de ça. C'était hallucinant, hallucinant, hallucinant. C'était pas dans une direction, c'était toutes les directions qui passaient en même temps. Hein. Ah oui, je confirme, hein, parce que c'est dit, je sais pas comment le contact, hein, c'est pareil. C'est ça, de tous les côtés. Hein. La frontière franco-belge, le nord de France, un peu partout. Hein. Oui, 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 c'est ça, oui, j'ai eu le nord de France, le nord-est de France, la Belgique, j'ai entendu du côté de l'Italie, j'ai entendu l'Espagne, j'ai entendu le Portugal, il y a un contest aussi là qui est en Espagne, je crois, ou Portugal, de ce côté-là, c'était vraiment tout autour. Hein. Affirmatif, sur le 620 ou 625, là, il y a un contest aussi, là, je vais voir. Ouais, ben justement, j'avais proposé un QSY. Non, quand j'ai lancé un appel sur le 555, j'ai lancé l'appel avec un QSY sur le 27-625. Oh putain, je me suis dit dommage. Ouais, il y a du monde derrière, en avant les stations. Vas-y, fais tourner, ou avec Xavier. Oui, Xavier, j'arrive à te sortir. Là, c'est très QRP de mon côté. Les mains sur 13-51 à toi. Comment vas-tu? Pour une fois que j'arrive à t'entendre depuis le QRA. Apparemment, il m'entend plus. Xavier, est-ce que t'entends Rémi? Content de t'entendre depuis le QRA, voilà, c'est apparemment c'est assez rare, la fille. Tout à l'heure, là, on parlait de Propail, là, juste avant le QSO, là, j'ai cru entendre notre ami Miguel là, de Tenerife, là, qui était plus haut, là, sur 27-700 et quelques, un truc comme ça. Ah ok, Michel de Tenerife, oui, oui, je suis d'accord. Oui, la station qui lance appel, les bancs sur 13-51 à vous, là, de la part du QSO national du canal 27 du département 33, et plus précisément la station 13-51 de la part de 14 ODR 002, opérateur Rémi, QRZ4 sur la Gironde, Dundee 33 en avant. Ok Eric, vas-y, apparemment il m'entend pas. Ouais, mais j'ai pas compris qui c'était. 73 de la station là. Voilà, c'est la région franco-belge. Voilà, la région franco-belge qui appelle justement les ondes du routier, les ODR. Je vais essayer de... Ok
bon, il m'entend. Hachi. Ok, Claude, les bonnes 1351 à toi. Content de t'avoir là sur les ondes. Ça fait plaisir quand même là de voir un peu là enfin de la propague, la tournée de notre côté. Quoique là, depuis une grosse semaine, on a tous les jours de la propague. Quelques départements français sont passés là ces jours derniers, mais là aujourd'hui, là c'est le jackpot. Là on a la cerise sur le gâteau aujourd'hui. Retour de micro, Claude. QTH Franco, secteur franco-belge, Eric. Retour, Claude. Ok, merci. Merci, Rémi. Hein, 14 ODR 002 hein, de 14 Eco Delta 590. Opérateur Claude hein, sur la frontière franco-belge. Et je pense que Eric, c'est Victor Eco 27 hein, que j'ai contacté tout à l'heure. Oui, affirmatif, je fais un retour de micro sur Eric, justement, 14 Victor Eco 27, 14 ODR 027. Et tu as aussi Ludovic Dolu 33, c'est-à-dire 14 ODR 0860, qui est justement l'administrateur là, du web SDR qu'il y a sur Bordeaux. Retour Eric. Ok, il n'y a pas de souci. On s'est copié tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Hein. Donc je le resalue et puis je vais faire tourner aux autres personnes qui sont avec moi, qui n'ont pas copié jusque-là. Allez, je retourne sur toi, Ludo. Ok, les bonnes 1351 à toi, Claude, de 14 Oscar Delta Romeo 860, donc opérateur Ludovic, sur QTH Florac, donc juste à côté de Bordeaux, voilà. Pas très loin d'Eric, donc ça doit passer pas mal, n'empêche, j'imagine, voilà. Je vais faire un retour micro sur Xavier, voir s'il te copie. À toi, Xavier. Retour Claude, est-ce que tu as une copie de Xavier? Attention Claude, est-ce que tu as une copie de Xavier? Non, négatif Rémi, hein. Xavier, je l'entends pas. Hein. J'ai Ludovic, Eric, toi qui passes très bien. Hein. Ton dernier passage, Rémi, 59 hein, sur le QTH franco-belge, hein. C'est vraiment des téléphones. Hein. Ok, ben j'ai une vidéo qui tourne en même temps, hein, vu qu'à chaque fois Ludovic nous fait une farce à tout le monde de couper le web SDR pour pas qu'on entende le QSO. Non, je raconte des conneries. Pour récupérer son antenne et enfin pouvoir faire de la CB avec nous. Là, j'ai une vidéo qui tourne, tu auras le plaisir de voir ça. Et effectivement, c'est hallucinant, c'est du 59 aussi de mon côté, Claude. Était en sommeil et bon maintenant je pense que bah, depuis ce matin 8h hein, que je suis derrière le micro, ça mouline dans tous les sens. Hein. Donc bien content de vous écouter, hein, les amis du Sud-Ouest. Ok Claude, il m'a semblé entendre d'autres stations là gratouiller là derrière, là gratouiller à la porte. Je vais laisser un blanc là pour voir un peu ce que c'est. Si les stations m'entendent pas, ben, je ferai un retour de micro sur Ludovic qui est perché en hauteur, qui fera rentrer les OM. En avant les stations. Bon mais j'espère que ça arrive pour vous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de propagation. Voilà, bonjour messieurs, bonjour, c'est Eric m'a attendu. Je ne sais pas si Claude a la copie de la musique. Hein. Ok, ben c'est un Santiago de 1, une radio de 4 de mon côté. Les bonnes 1351 à toi. Non mais ça y est, j'ai bouffé le prénom quoi. Je t'ai pourtant reconnu, j'ai reconnu Roger B, puis y a pas de souci, ça passe assez bien de mon côté là justement avec le petit coup de pouce de la propague. Ça me reviendra. Voilà, merci Christophe, c'est ce que je cherchais justement. Les bonnes soirées très sacrées à toi Christophe, de la part de Rémi. Bon, il y en a un qui est passé, mais on n'a rien compris là, c'est bien dommage. Il y a un département là qui s'est signalé en même temps que Christophe, d'ailleurs au passage, les bonnes soirées très sacrées à toi Christophe. Ah Eric, c'était quoi que t'as entendu? Ouais, ben il a une station. Alors là, je suis repassé en horizontal là, pour relancer l'appel. S'il m'entend, les stations en avant hein, pour le téléphone national du Sud-Ouest. On écoute.
ben oui, voilà. Toi là, j'allais transférer la vidéo là de suite là parce que bon, là, j'en ai déjà un bon bout là des deux précédents QSO là sur ordinateur. Du coup, j'ai remis la vidéo en place. À moins que tu remarques, il y a le web SDR qui est là, tout le monde peut entendre aussi. Ok, vas-y, dis-nous tout. M'en occuper là tout de suite ce week-end, puis j'ai eu un peu le temps d'aller chez le roi Merlin hier, donc j'ai acheté plusieurs trucs, j'ai acheté un mât et puis de quoi le fixer au sol avec des petites élingues, et puis j'ai acheté le câble aussi, donc là c'est plus un message pour vous aider. J'ai regardé le lien que tu m'as envoyé, Xav. Et en fait, j'ai regardé ce qu'il y avait à Leroy Merlin. J'ai ouvert la bobine avec le câble pour regarder comment il était fait. Et franchement, il avait l'air pas mal, le câble qu'ils ont. Donc du coup, j'ai pris la bobine chez eux. Il y a une lame, l'âme du coaxial, c'est une âme pleine, quoi. C'est un gros fil qui fait 1,3 mm². Enfin, ça m'a paru pas mal du tout. Du coup, j'ai pris la bobine, ça coûtait 30 balles, donc bon, j'ai dit je prends pas beaucoup de risques. Donc j'ai pris ça, donc c'est 75 euros, j'en mets une centaine de mètres, triple blindage, et voilà, donc j'ai tout le matos, là, il manque juste, il va me manquer sans doute deux PL 6 mm, deux PL mâles, pour du câble 6 mm, c'est le truc qui va me manquer, mais sinon, voilà, j'ai de quoi faire ça, donc Eric, pour info, je vais monter certainement le mât dans la semaine. Je pense que je vais avoir le temps de faire ça dans la semaine. Et puis ce que je te propose, c'est que le week-end prochain on passe aux choses sérieuses. Voilà, retour à toi Eric. Il n'y a aucun problème, Ludo. Sans problème, voilà. Moi, à l'week-end prochain, quand tu es libre, on fait ça, il n'y a aucun problème, ça va dans l'antenne et puis on installe tout ça, voilà. Il n'y a aucun problème, ouais, ça marche. Ludovic? Oui, vas-y. Ok, j'ai pas mon planning sous la main, mais par contre, moi je vois pas pourquoi tu serais le seul à investir dans tout ça. Moi je te propose une participation financière, si tu veux, on en discutera en privé, parce que bon, ça serait normal. Hein. On est toute une équipe, on est autour de toi pour ce que tu fais justement au niveau du web SDR. Être autour, c'est une chose, participer, je pense que ça serait mieux. Donc je suis prêt à mettre la main à la poche hein, pour t'aider dans ce sens. Bah, écoute, c'est très très sympa, c'est très très sympa. Écoutez, vous prenez pas la tête pour l'instant pour ça. Grosso modo, je vous le dis, j'en ai pour une centaine d'euros pour l'instant au total. Je vais rendre des trucs chez Laurent Merlin parce que j'ai acheté un peu trop en fait. J'étais parti dans des délires un peu trop compliqués. J'ai trouvé plus simple, donc ça coûtera moins cher. Voilà, mais moi après ça me fait plaisir, donc si vous voulez vous me payerez un coup à boire à ma reine et puis ça ira très bien quoi, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Je suis trois coups, ouais, non mais je comprends, merci pour ta gentillesse, mais ce serait complètement normal. On profite du web SDR, hein, on l'utilise, on l'use, on fait nos petits réglages, on surveille la propague, donc la moindre des choses, ça serait qu'on mette, moi je suis partant pour mettre la main à la poche, hein. C'est bien au contraire, hein, je te forcerais, j'aurais même envie de te forcer la main à prendre ce que j'aurais envie de te donner, quoi. Je confirme, Réveillé, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Bon, déjà, moi, je lui dis que l'antenne, c'était cadeau, et puis s'il faut participer en plus, moi, il n'y a aucun problème, hein, voilà. Non, mais c'est très sympa, mais déjà, voilà, Eric propose ton antenne, c'est vraiment très cool, donc il n'y a pas de raison que tu en donnes plus que ça, Eric, pas de soucis. Et puis, Rémi, si tu as envie de participer, voilà, j'ai besoin de 2 PL mâles 6 mm. Adjugé vendu, enfin vendu, adjugé tonné, hachi. ouais, j'ai ça de côté, j'ai plusieurs cordons et tout ça qui traînent, qui ne servent pas. Si ça ne sert pas, ben autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème, je te donne ça. Hein. Mais attention les ODR. Voilà, vite, on laisse un passage, en avant. Ouais, Rémi,
derrière en train d'écouter et j'espère renouveler ce petit contact. 14, l'Echo Delta 590, Claude, la frontière franco-belge 73, les amis. Ok Claude, c'est du 57 de mon côté, hein, comme quoi la propague tient bien, ou alors que tu y vas à grand coup de pelle de kilowatts derrière, un chi trois coups. Les bosses au 13, 51 à toi, retour Ludovic. Ok Claude, merci de ta présence au QSO au 13351, puis ben voilà, n'hésite pas à revenir te manifester si la propague le permet, voilà, et profite bien du reste de propague qu'il y a ce matin, voilà, avec plaisir. À toi Eric. Ok Claude, 73-51, et puis merci de ton petit passage et du petit contact qu'on a eu aussi tout à l'heure, voilà. Allez, je retourne sur Christophe ou Xavier. Vas-y Xavier, tu retournes à Christophe. Ah c'est ça la magie de la radio. Elle aide bien la grande gueule, elle aide bien. Ça évite en plus de rajouter un deuxième ampli, ça évite de rajouter un ampli derrière le poste, à chi trois coups. Hey, 73 à vous les gens du sud-ouest, bye bye. Merci, 54 là sur le final, ok merci, retour Eric. Ouais, salut Claude, à bientôt, avec plaisir, sans problème. Et